Eh bien, salut à toutes et à tous, ici ProduGV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cet épisode 7 de The Legend of Pokémon Verfeuille. Je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis en compagnie de Faizeman, bonjour. Salut à tous, les amis. Alors, aujourd'hui, peux-tu expliquer à nos amis ce que nous allons faire? Mais en fait, tu m'as expliqué où t'en étais, donc t'es à Carnat-sur-Mer, c'est ça? Exactement, j'ai battu le Major Bob. Ok, donc après, je sais pas où il faut aller, mais... Je sais pas où il faut aller. Bon, bah moi non plus en fait. Donc je pense qu'on va continuer tout droit. Et on arrive sur la route 11 avec la grotte Topiqueur. Alors attention, je vous parle que c'est la grotte Topiqueur. 3, 2, 1. Eh, vous voyez, j'ai bien révisé mes cours. Hein. Mais bon, on va pas y aller parce que j'ai pas besoin d'y aller en fait. Eh merde. Topiqueur, c'est pas à côté de Arlambert? Non, non, c'est à côté de Carnat-sur-Mer. Ah bon? Bah alors, la preuve, puisque là je suis à côté de Carnat-sur-Mer et il y a la grotte Topiqueur. J'espère que vous l'entendez bien parce que moi en tout cas je l'entends bien. Attends, je vais peut-être baisser un peu le son parce que c'est plutôt un peu fort en fait. Moi aussi, ça entend plutôt bien, ça va. Bon bah tant mieux, si tout le monde s'entend bien. Un abo de niveau 21. Ah ouais, là je commence à un peu. En fait, on a 9 niveaux. Ouais, peut-être qu'on va avoir un drac au feu dans cet épisode, ça pourrait être pas mal. Niveau combien ton. Mon Raptassel, il est niveau 30. 30, ah ouais. Et il est presque au niveau 31. Oh, Flamèche, non mais genre ça lui laisse un point de vie quoi, t'es sérieux. Bon, il griffe. Et j'ai encore griffé quand même. Hein. Ouais, c'est un nabo. Hein? C'est un nabo là? Ouais, ouais, nabo de niveau 21. T'imagines quand même? Hein? 21? Ouais, mais c'est bon là, c'était un dresseur, mais je l'ai battu. Ah, c'était un dresseur? Oui. Ouais, c'est pour ça. Ah ouais, niveau 21 dans la nature, ça pourrait être pas mal. J'ai trouvé un réveil, donc un rappel plutôt. Il y a quoi sur cette route d'ailleurs? Est-ce qu'il y a des abos? 11? Ouais. Ouais, Piafabec, waouh! C'est le Pokémon le plus utile du monde! Oh, les gars, bientôt le dernier. Bientôt le dernier, il est niveau 9, donc on comprend. Ah, ben niveau 10 alors, il est où? Ouais, attends, pour l'instant, je vais regarder sur internet qu'est-ce qu'il y a sur la route 1. On est sur la route 11. Moi? Attends. Qui ça est sur la route 11? Quoi? C'est sur la route 11? Route 15, non? Oh, je sais plus. Attends, de toute façon, là, je bats un dresseur et je vais te dire ça tout de suite. Ben, genre, il a un petit tard contre un... Contre un Reptincelle, quoi. Attends, parce que je suis là, c'est pas de place, parce que mon... Ma tablette a bien une petite batterie, donc... Ah, merde. Là, c'est rien. Facile. Oui, c'est bon, là tu es. Coup critique. Voilà, chance. Alors, route, dis-moi. Attends, je sais déjà. Attends, d'abord je bats le. Oh non, mais il a un hippotrempe. Mais s'il te plaît, arrête, monsieur le dresseur. Tu vois comment on envole pendant ce temps? Hein? Tu vois comment on envole? Ouais, vas-y, fais voir comment on envole. Oh, mais non, mais genre, ça fait trop galère. Ne me fais pas pistolet à eau. Non, c'est pas bon, mon brouillard. Brouillard, je m'en bats les couilles. Tu peux me le faire tant que tu veux. Est-ce que griffe ça te fait plus mal que griffe acier? Oui, ok, d'accord. Enfin, après combo griffe c'est mieux parce que tu fais griffe. Oui, c'est pour ça que j'ai combo griffe avec mon ferro-singe. D'ailleurs que j'ai laissé au PC d'ailleurs. Donc ça c'est l'épisode du samedi. Et puis l'épisode du dimanche je le tournerai bah, dès samedi. Et là on est jeudi, donc on tourne en avant. Un peu oui. Attends, là je suis sûr il y a un truc. Ok, ben non, je suis nul en fait. Et normalement, bon, vous verrez ça plus tard, mais normalement. Ouais, rentre en route 11, t'as raison. Si tu sors la vidéo samedi, avant le vendredi, vous aurez une vidéo de moi, le troisième épisode de Rocheux normalement. Ok, ouais. Moi je suis, hein. Ouais. Je suis rassure, moi je suis. Bon, même si l'épisode 2, j'avais pas tant besoin que ça de le suivre, mais bon. Parce qu'au final, j'étais. J'étais au téléphone avec monsieur FTM COC. Non, plus COC, putain, faut que j'arrête. Mais bon, c'est pas grave, c'est sûr, COC ou YouTube, peu importe. Ouais, mais bon. Maintenant, tu t'appelles plus FTM COC, tu t'appelles FTM tout court. Bah ouais. Enfin, non, tu t'appelles même plus FTM tout court, tu t'appelles FTM, voilà. Ouais. On t'appelle Faizeman FTM. Voilà, c'est ça. Et moi, bah, c'est PDG. PDJV plutôt. PDJV. Quoi encore? Attends. Laisse-moi. D'accord, c'est bon. Je t'ai foutu une toulée, j'ai compris. Par contre,
c'est pas très rapide, sur internet, sur ma tablette. C'est moins bon sur mon portable. Ah. Un peu plus de temps. Bon, alors, c'est pas très grave. Rechercher, bon, on va rechercher bon choix. Nidorama, il m'envoie. Pas de problème, ça je le gère. Oui, un petit flamèche. Imagine, je vais bientôt avoir un drac au feu avec griffes. Est-ce que tu te rends compte? Ah ouais, avec griffes, ouais. Un drac au feu avec griffes. Waouh, c'est vrai que. Il avait là, il m'envoie un autre. Hein? Danse flamme, il a? Danse flamme. Non, il me semble pas qu'il est. Bah non. Non, non, il l'a pas. Ah, il a flamèche, il a pris un flamèche, ouais. C'est pas l'arc flamme qui a pris un chevron, là. Oui, plutôt oui. Lance-flamme, mais ça serait trop stylé et trop pété. Parce que lance-flamme, c'est une attaque trop cheatée. Alors là, je cherche. Donc. Bon, moi, je vois les dresseurs et peut-être tu me diras quel Pokémon il y a sur la route 11 pour voir si ça m'intéresse ou pas. Pokémon rouge. Il envoie un Magnéti que je vais violer. Et mon gars, rouge, le verre, c'est pareil, toi. Non, il y a quelques petites différences. Ouais, bon, c'est pas grave, je vais... Au niveau des Pokémon, surtout. Les TS, je pense que c'est trop au même endroit, non. Ça, oui, ça, par contre, je suis presque sûr. Donc, je vais regarder. Alors, qu'est-ce qui est TS? Défense plus. Attends, là, moi, je bats les dresseurs, hein. Il a moins un chétiflor. Et que je vais encore une fois violer. Et voilà, niveau 18, fini. Eh, j'aimerais bien avoir un drac au feu moi dans cet épisode. Voulez-vous changer de Pokémon? Non, tu restes avec le même. Il envoie Mystherbe, que je vais encore violer. C'est pratique ces Pokémon, hein, super facile à enchaîner. Hein. Bon, du coup. Ouais. Alors, du coup, moi, comme quand j'ai marché dans les herbes, il y a un Sabelette. Waouh. Niveau 12, par contre, c'est pas mal. Hein? Je voulais au début, mais j'ai plus trop envie, tu vois. En fait, moi, surtout, ce que j'essaie, c'est d'XP mon Raptincelle. Bon, en soi, je pourrais, mais bon, en ellipse, mais bon. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Non mais genre quoi. Avec XP c'est pas très amusant donc je pense que les abonnés n'ont rien à foutre, c'est juste de leur câble, c'est ça. Ouais voilà, enfin il y a juste une fois où j'ai un peu bouché le bouchon trop loin, c'est-à-dire j'ai eu un Raptincelle hors vidéo mais bon, voilà. Ça c'est pas encore dramatique. Bon du coup, on va faire ce petit dresseur là. Pourquoi je peux plus courir? Non, monsieur. On va faire tout de suite, comment on va en vol. C'est bizarre. Ah merde. Bon, en attendant, on va passer niveau 32. Bon, on rappelle pas? Ouais. Ah, c'est cool, ça. Mais en Pikachu est niveau 37, je crois. Non. 27. Je sais plus. Ah mais merde, en plus j'aurais pu voir son niveau, mais non il est KO, merde. Ah je sais plus. De toute façon je vais vite voir. De toute façon je vais aller soigner mes Pokémon. Parce que là, le Major Bomb il m'a quand même mis mal. Magnéton. Oh Magnéton, carrément quoi. Bim. Allez, prends ça dans la gueule en haut. C'est pas tout ce que je veux, Magnéton. Finalement moi je peux rechercher en Orcam, là je fais une petite ellipse et je recherche. Attends. Je vais soigner mes Pokémon et puis je vais faire une petite ellipse, hein, pire. Une petite ellipse des familles. Donc d'abord, je vais soigner mes Pokémon. Ah oui, c'est vrai, d'ailleurs, il faudra aussi qu'on aille chercher la bicyclette. Parce qu'on aurait pu aller la chercher, mais j'avais pas envie. Donc. Je vais la chercher hors cam. Voilà. Alors, la bicyclette, tu la trouves. Alors, il te faut. Coupe, tu l'as trouvé où? Coupe, tu le trouves sur l'océan. Je me suis rappelé du nom du bateau. Donné par le capitaine de l'océan après l'avoir enseigné. Vol, c'est donné par une fille dans une maison sur la route 16. Oh, la route 16, mec! Mais j'y suis déjà passé, moi, non? Oh, je sais plus. Attends, je vais regarder sur ma carte. De toute façon, je vais vers une ellipse, de toute façon, même pour aller chercher.
couleur donnée par une personne dans la cabane. Auto 9. Secrète du parc safari. Peur donnée par le gardien du parc safari dans sa maison en échange de la dent or. Ah oui, c'est là-bas, la dent or. Flash, l'assistant du professeur Chen qui se trouve dans une maison de la route 2, vous la donne quand vous avez capturé au moins 10 Pokémon différents. Oui, ça c'est pas faux. Par contre, moi je suis bloqué, elle est où la route la route 16, elle est où? Route 14? Route 13, route 12, ouais. Route 18. Attends, tu veux que je cherche le problème qu'elle soit. Route 16! Non, t'es sérieux? Elle est loin? Mais non! C'est la prochaine arène! Ah bon? Je suis obligé de toute façon. Non, mais écoutez, du coup, je vais pas vous faire une ellipse. Parce qu'en fait, je suis obligé d'y aller. Mais oui, c'est la prochaine arène! Non? Bah si, c'est à côté de Céladopol, c'est à gauche de Céladopol. Ouais, je pense en partant vers Céladopol, hein. Mais oui, c'est ça. Céladopol, c'est la troisième. Ah oui, merde, c'est vrai. Non. Non, la quatrième plutôt. Mais si, c'est peut-être la quatrième. Attends, je vais regarder. Attends, c'est Erika, Attends, Erika. Erika, c'est type insecte ou plante, je sais plus. Erika, ouais, c'est insecte ou plante, mais c'est... Du coup, on remonte par là. Hop, voilà. Alors, du coup, ouais, là c'est la pension où j'ai mis mon fer au sein, je crois. Azuria. Ah, j'ai mis un fer au sein. Non, je l'ai pas déposé au PC en fait, j'ai cru. Franchement, moi, je trouve que la peinture c'est vraiment top comme. Comme endroit, ça te croit, c'est que les attaques peuvent t'enlever n'importe quelle. Ouais, non, ça c'est pas faux. Parce que moi j'avais mis un cobaltium d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai le niveau 100. Tu sais, cobaltium dans blanc. Ok, alors je lis. Erika est la championne de l'arène de Céladopol dans la région de Kanto. Elle utilise des Pokémon de type plante. Ah ouais, ok, comme ça que de. Oups, je l'ai violé. Cette peinture renoue au sort de base de coup, et il faut l'avoir pour avoir la ligue à niveau, voilà. C'est là, je vais te dire ça. Alors, dans bleu et rouge, dans jaune, alors dans rouge, feu, vert, feuille, elle a un anti-flore niveau 29, un sac de nœud niveau 24, un rapézia niveau 29. Ouais, non, mais ça c'est pas le problème parce que ça, ce sont tous ces Pokémon, je vais les violer parce que c'est des types plantes. Mais du coup, c'est la combien? C'est la quatrième? Je sais pas, et en fait, c'est pas marqué. Je sais pas. Dans tous les cas, c'est là-bas. Ouais, mais bon, moi je sais toujours pas où c'est du coup. Hein. Ah, ouais, mais non, en fait, je suis bloqué. Quoi? Ben, je peux pas retourner sur mes pas. Je suis bloqué sur la route 4. Je me suis bloqué comme un con. Merde! Bah du coup il va falloir que je fasse le tour. Fais chier quoi. T'es en vidéo là pour l'instant, t'as du tour là? Bah oui oui. Ah du coup j'ai pas fait des X. Non du coup non. Du coup j'ai la bicyclette, voilà. Alors génération 1 et 3. Donc c'est la quatrième, t'as raison. Ah bah voilà, c'est ce qui me semblait. Sonnez l'ordre, Pierre en premier, avec la vie de Argenta, Azuria Ondine, Carmen sur mer, Motherbob, Stella de Paul, Erika. Parvani avec Cougar, je ne sais pas si c'est Cougar, Morgan, Tramoisville, Auguste et Daniel. Attends, tu peux me dire où on retrouve Surf? Ah non, mais attends, non, en fait, je me suis complètement gouré de ville, merde, mais quel con. Il faut que je descende encore plus bas, mais quel con. Voilà, là, je suis Azuria, du coup, il va falloir que je descende. Eh oui, mais comme j'avais pas coupe, je pouvais pas. Ah mais non. Attends. C'est bizarre, ça. Oui, je passe par là parce que je suis un toy, ok. Et voilà, un combat, super. Et c'est un Miaouss. Oh, intéressant. Un Miaouss de niveau 14. Je vais faire éclair pour voir si je peux le capturer. Ah, ça va peut-être pas passer, j'ai 16 niveaux de plus que lui. Ah si, ça passe, ok, bon, je vais le capturer. Ah, yes, en plus il est paralysé. Non mais attends, que de rêver mieux là. Là tu fais sac. Pokéball, et voilà. Et là je le capture. Ok. Mais quand je vais continuer à aller sur
Voilà, c'est sympa. Donner un surnom Miaouss capturé, non. J'aurais pu l'appeler Miaouss TR, comme Team Rocket. Mais bon, j'ai pas fait. Par contre, du coup, alors là, attends. Je vais rouvrir mon sac à la carte. Non, pas à la Pokéball. What? Pokéball. Ah non, donner, d'accord, ok. Non, non plus, pas de potion. Carte. C'est à Safrania. Mais la porte elle est bloquée. Comment je fais? Ouais, Safrania, c'est là où il y a un autre mec qui est plus. Je suis un garde ici et je crève de soif. Oh, la route est fermée. On ne passe pas. Ouais, mais je sais pas comment on fait du coup pour passer moi. Attends, peut-être que. Attends, je vais. Bon, on va essayer des trucs. Hein. Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Arrête de faire n'importe quoi, monsieur le petit bonhomme là. Bon, alors. Et voilà. Bon alors? Donc là, moi j'ai initié un Pokémon, mais j'ai rien d'autre à faire en fait. Peut-être que je pourrais faire des combats incroyables, mais bon. Oui, par contre, je sais pas comment on va à Safrania, moi. Ben, c'est pas la prochaine ville, hein. Je voudrais y aller à la Dopole. Ouais, mais bon, non, pour aller à la Dopole, il faut d'abord aller à Safrania. Et Safrania, c'est bloqué. Eh oui! Il faut passer par c'est la Dopole. Et comment ils vont être débloqués? Je sais pas ce qu'il faut faire justement pour débloquer. Regarde, là c'est bloqué. T'as pas de micro? Ah si. Oh si, mais bon, c'est à Parmanie, je suis jamais allé en plus. Ah bah du coup c'est l'occasion d'y aller. Ouais, bah, du coup je continue. D'accord, non c'est bon, ok. Donc en fait j'ai juste fait un énorme détour pour rien. D'accord, ok, tout va bien. Non, en fait, je suis revenu sur mes pas alors qu'en fait, il fallait juste que je continue. Super. Le gars, il est pas du tout con, tu vois. Bon, du coup, je vais pouvoir continuer sur ma route. Voilà. Tu vas sur la route combien? Là, je suis sur la route 11. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je passe par là, que je passe par là. Oui. Voilà. Super bol, en plus, je trouve. Ah ben voilà. Ça, c'est pas un cadeau pour m'accueillir. Attends, il y a un truc en haut, je n'ai pas vu. Et je sens pas. Ok, non, c'est bon. Ah, là, c'est quoi ça? Une corde sortie. Allez, tu vois, j'ai l'instinct moi, pour trouver les objets cachés. Non, là, c'est bon, là, j'arrive. Attends, là, je suis dans un grand établissement avec là où il y a des jumelles. Vous regardez dans les jumelles. Il y a quelqu'un seul sur le chemin pour aller à Azuria, à l'avant-ville. La grotte. Oh, merde, c'est chier. J'ai compris ce que je dois faire, mais ça me fait chier, quoi. Mais je dois passer par la grotte Topiqueur. Ah ouais, mais... Cave Topiqueur. Non, mais... T'es... What? Je... What? Attends, on va descendre. Peut-être que j'ai mal vu, mais peut-être qu'il y a une sortie quelque part. Sinon, je peux aller nulle part, hein. Ah si, voilà, non, j'ai rien dit, faut une... c'est bon, j'ai rien dit. Oui, possible, mon gars. C'est où qu'on les fait, comment dire, Ah, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais non, mais genre, devine qu'il y a en plein milieu de la route qui fait son gros dodo. Red, on va Eh ben ouais, oh, mais qui bloque le chemin. Et comment on fait, ça m'énerve. On peut pas lui foutre des coups de pied dedans, non, ça marche pas. J'ai pas d'objet, moi, dans mon sac. Tu sais comment on fait toi pour transformer les fossiles en Pokémon? Non, justement, je vais te dire que non. Memory Dex, c'est quoi ça? Moi, bon, je sais pas, je m'en fous. Je te donne Red, non? Red? Merde. Je vais voir. Il s'appelle Ring, mon barfo. Je sais. En rouge, tu peux l'appeler. Enfin, dans rouge, toi, tu l'appelles Green et dans. Red. Memory Dex. Utilisé. Non, la première que je trouve pas, c'est dans. Enfin, quand tu l'appelles Red et Green, c'est plutôt dans la série, tu vois. C'est
C'est bizarre. Ok, je sais pas du tout ce que ça fait, mais je vais pas y aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il me faut une flûte. Mais je ne sais pas du tout où on trouve les flûtes. Attends, peut-être que c'est eux qui me les donnent et comme je leur parle pas, bah ils parlent pas. C'est ouais, une flûte pour dégager le reflet. Ouais, c'est sûr. Sûr. Bah c'est sûr que c'est une flûte en tout cas. Ouais, je me rappelle, dans les animés, ils ont une flûte. Ouais, je sais, c'est... Je sais plus quoi s'appelle la flûte. Bon, en tout cas... Est-ce que c'est peut-être par là? Non. En tout cas, les amis, je vais faire une petite ellipse le temps de trouver la solution à ce problème. On va faire sur sablette, puis après, je vous fais une ellipse. Donc, d'abord, on élimine ce petit sablette. Ah, merde, c'est vrai, j'ai mon Pikachu. Bon, mais vive attaque, super. Du coup, je me mets en accéléré. Et voilà, c'est bon. Parce que sablette, c'est super chiant avec un Pikachu. Bon, du coup, les gens, je vous fais une petite ellipse, à tout de suite. Et donc, les amis, donc c'est bon, j'ai regardé ce que je devais faire. Je dois aller dans cette foutue grotte. Et ça me fait chier. Voilà. Bon, en même temps, c'est un peu évident, hein, j'ai envie de vous dire. Ouah, les topiqueurs ont creusé ce tunnel. Il va tout droit à Jadiel. Ah oh, ouais, trop cool. Waouh. Ah bon? Ah oui, voilà, c'est pour ça. À Jadiel, tu vois, t'as un petit truc genre honte, tu vois. Tu t'avais un petit terre, voilà, et avec tout, tu peux le découper et voilà. Ah. Ça me rappelle quelque chose, Daniel. C'est gros Pikachu. Oh là là, mais ça. Attends, est-ce. Ah, mais non, mais c'est des Pokémon de type sol. Oh non, merde. Ah oh, ouais, non, mais chaud quoi. Oh non, ça va me faire chier. Parce que le Pokémon de type sol est super efficace contre le type électrique et contre le type feu. Non, sans blague. Oh, mais Miaou, s'il tient quelque chose. Oh, bah tiens. Qui ça? Ouais, il est niveau 8 face à niveau 17, voilà. Non, mais c'est bon en fait. Mais non, mais genre, je peux ni fuir, ni. Oh, je. Ah oui, pas con. Ouais, mais bon, ouais, pas con. Mais pour l'instant, je peux pas le mettre, malheureusement. Ah bon? Piège du Topiqueur. Piège du Topiqueur, c'est sa capacité spéciale. Ce qui fait que je peux pas ni fuir, ni changer de Pokémon. Bon, du coup, en fait, c'est bon, en fait. La grotte Topiqueur, ça, en fait, ça va peut-être être l'évolution pour mon Reptacel. L'heure de quitter l'enfance et de devenir un adulte. Bonne chance. Bah merci. Je t'appellerai demain sur mon école. Ok. Donc à plus les amis. Allez, salut. À plus. Donc voilà, on est seul pour l'instant. Enfin pour l'instant, oui, on est seul. Donc du coup, on va prendre notre courage à deux mains et on va traverser cette putain de grotte Topiqueur. Si on pouvait rencontrer un trio piqueur, ce serait pas mal en tout cas. Néon. Alors, du coup. Oh, ça m'énerve. Si on a un trio piqueur, on capture direct. Voilà, on perd pas de temps. Alors, par contre, il faudra faire gaffe parce que c'est quand même un trio piqueur et moi je suis quand même un type feu. On parle en ces 10 dernières minutes, on est tout seul, mais bon, c'est pas très grave, écoutez. On va peut-être attendre la fin. Oui. Ah non, on a failli y arriver. Vous savez quoi, ce qu'on va faire? Regardez. Toc. Voilà, comme ça, au moins, on perd pas de temps. Toc, voilà. Oh, on arrive à la fin. Oh, ouf, enfin. Voilà, un Topiqueur, on est au 18 quand même.
Enfin, ça m'étonnerait qu'on fasse évoluer notre Reptan Sanity. Regardez avec un niveau 18 l'XP qu'on gagne. Regardez bien le bar d'XP. Ouais, tu vois. On arrive à la fin. Yes. Lui, c'est un dresseur. Ah non? Quelqu'un pouvait éclairer. Ouais, je sais. Bon, bah écoutez. On arrive à la route 2. Donc, c'est elle qui nous donne la 16 voile. Non, pas du tout. Pokémon KO ne peut pas se battre. Ah, ça. Un abra contre Monsieur Mime. Mais non, mais il est sérieux, le gars. Attends, un Pokémon KO ne peut pas se battre. Mais il peut avoir utilisé des techniques comme coupe. Ok. Tranquille, alors. Tu sais, là, j'ai oublié mon parasite PC. Je me dis, oh merde. Du coup, on utilise coupe. Alors, ça, c'est qui? Eh oh monsieur! Le gars a pris flash pour avancer la grotte. Oh non, ça veut dire qu'on va avancer la grotte! T'as eu peur de moi, je suis un assistant du professeur Chad, tu as trouvé un petit Pokémon différent. Il va trouver cette CS5. Oh non, oui! Attends, est-ce qu'on l'a fait? Je crois qu'on l'a fait. Oui! C'est laquelle? C'est Surf? Ah non, ok, c'est flash, donc je m'en fous. Oh, super. Ça, c'est quoi? Huile. Ah, c'est pas mal, ça. Ah ouais, carrément, quoi. On est revenu là, quoi. Vous vous souvenez, c'est la route 1? Regardez. Mais genre, on est revenu à la route 1, quoi. C'est chaud. Non, mais non, s'il te plaît, tu remontes. Voilà, comme ça. Non, mais genre, quoi. Mais non, mais genre. Et du coup, là, on a Jadiel. De quoi? Mais c'est quoi ce bordel? Du coup, là, on peut y aller? Et alors, il y a quoi? Hein? Et alors? Ah non, mais non, d'accord, ok. Ok, c'est pour les gars qui sont un peu cons et qui savent pas que. Vous pouvez y accéder par là. Bon, en tout cas. On continue notre petite aventure. Bon, attendez. Du coup, là, ça veut dire qu'on doit aller où? Et en fait, je me suis trompé. Ça, c'est pas du tout. Ça, c'est le fossile d'Amunita. Bon, au pire, c'est pas grave. Hein. On aura quand même un Kabuto. Parce que moi, je voulais trop Kabuto. Elle est où ma carte? Putain, j'ai perdu ma carte. Elle est là. Logiquement, je dois aller là, quoi. Mais non, mais il y a vraiment un problème là. Oh, mais quoi, là, quoi. Ah, ouais, mais non, en fait. Oh la vache, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais what the fuck? Ah non, c'est bon. Ouf, oh putain, j'ai cru que de plus je me tuais. C'est bon, en fait. Non, non, c'est bon, j'ai rien dit. En fait, c'est là. Du coup, à un moment, là, il y aura quelque chose qui s'ouvre, non? Oui, mais non, en fait. Oh là là, ça commence à m'énerver, là. Attendez, on va regarder dans notre sac, notre petite carte, encore une fois. Ouais, donc c'est ça. Mais on est déjà allé sur route 3. Non, on n'y est jamais allé. Ok, bon, autant. Ah, si, c'est par là donc. Et si on est déjà allé? Ah non, mais si, du coup, c'est par là. Voilà. Non, pas trop en fait. Ouais, pourquoi pas. Ah si, c'est là. Non, putain, je suis revenu. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? N'importe quoi, mais bon. Du coup, attends. Droit devant. Ouais, mais moi, je veux pas le mont Sérénité. Moi, je veux le... Oh la vache, mais qu'est-ce que... Dans quel pétrage je me suis encore fourré, moi?
Ah merde, j'avais pas fait de ça, ok. Non, moi je suis en vélo, qu'est-ce que tu vas faire? En plus t'as quoi? Un piaf avec. Ah bah oui, mais bon. Ah quand même, niveau 14 en fait. Ah oui, je suis niveau 32. Hein. Ah merde, merde, ça va pas être très efficace ça. Ah si, en fait, ça va. Bon, eh bah écoutez. Eh bah écoutez, écoutez, écoutez. Hop, on met ça là, voilà. Hop, on gagne un peu d'argent. Je sais pas, ils disent que je dois aller à Jadiel d'abord. Donc, on va à Jadiel, écoutez. On les écoute. Mais Jadiel, c'est où? C'est là? Oh là là, mais c'est compliqué cette affaire, hein. On va passer par là. Non, ok, c'est pas. Mais là, je suis rien tout caché. Ah non, ok. Bon. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Non, non, là, on est déjà allé. Enfin, on est... oui, on est déjà allé, je savais, mais. Je savais pas si on avait tout visité. Parce que c'est moi, j'ai pas envie de retravers ça la fois déjà, moi. Ah là là. Bon, la prochaine épisode, je vous jure que je me renseignerai un peu plus. Donc là, du coup, je dois aller. Mais attendez, c'est bizarre. Oui. Bon, là, déjà, c'est sûr, il y a un truc. Attends, si j'appuie pas sur le bouton, ça va pas trop faire. Ok, il y a rien. On va pas chercher plus longtemps parce que sinon, on va perdre 8 minutes. En même temps, c'est un peu le temps qu'il nous reste. Mais bon, allez, on va y aller. Oui, mais encore. Et par là, c'est quoi? Est-ce que par hasard, on devrait pas aller sur la route 22? Ok, déjà, c'est pas par là. Bon, on va mettre la bicyclette. Hein. C'est par là, non? C'est bon, ok, c'est bon, ok. Donc c'est là. Et merde. Ah mais non, ici c'est vers la route Victoire. Hein. Ouh, je m'égare. En tout cas, il est niveau 3, je dirais que c'est vers la route Victoire en fait. Bon, je sais pas en fait. La Victoire, il devrait y avoir des bouquins de niveau 50. Ah mais si, c'est sûr, c'est la Victoire. Elle était à Ligue Pokémon, entrée principale. Allez, go, c'est parti, on ouvre la ligue. On perd pas de temps. Non. Hop. Allez, salut. Hop. Voilà, allez, s'il te plaît, tu me laisses passer. Bon, allez, vas-y, tu me laisses passer. Ah merde! Ah, je savais pas qu'il me fallait le badge sprint, le prisme. Et merde, putain, fais chier. Je me suis fait griller. Bon, bah, écoutez. Je sais pas du tout ce qu'il veut faire, moi. Je vais lui voir la solution. Je lui fais une petite ellipse. Ah oui, encore. Allez. Et donc, heureux tout le monde, on se retrouve après une petite ellipse. En fait, il faut juste que je coupe cette petite arbre à ralentir. C'est tout con, franchement. Et donc là, du coup, je vais avoir la CS Wall ou pas? Ah non, c'est là où on raconte les fossiles. Voilà, Alexandre, si c'était un peu plus longtemps, bah, tu saurais. Il y a des traces d'ADN de Pokémon dans ce morceau d'ambre. Ça serait avancé scientifique incroyable si on pouvait régénérer un Pokémon à partir de cette pierre. Non, hein. Mais personne ne m'écoute. C'est une faveur à te demander. Apporte ça à mon labo Pokémon pour l'examiner. Labo Pokémon, ça me dit quelque chose. Tu le caches dans l'arbre, en fait ça t'amuse, en fait. C'est ce que c'est l'arbre? Oui. Salomon essaie de régénérer les anciens Pokémon. Il recevra l'information génétique contenue dans l'arbre. Wow, c'est génial. Mais ça ne m'avance toujours pas.
Bon, en tout cas, les amis, voilà, on va s'arrêter là pour ce 7e épisode déjà. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces verts, de pouces bleus, pardon. Ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois. On se retrouve la prochaine. À la prochaine, dans une prochaine. C'était Pontuvé. Bye bye.